tout le monde rasso sur moi là, sauf les deux, sauf les deux qui restent là. J'en ai 5. Okay, j'ai une fumée. Nickel, bah balance de la smoke et on va taper le bâtiment qui est juste en, dans la direction de mon bras. On tape ce bâti, on tape l'autre, on fait un bond jusqu'au prochain. Dans la direction de mon bras qui est à 130 Lagrange là, à 230 mètres un peu plus bas. Et derrière on va remonter au niveau de la ligne de... Dans la direction de mon bras, la ligne de d'arbre là. Ok, qui? On a plus de batteuse. Ouais, super. Ok, incroyable. Qui passe en tête? J'ouvre la marche, chef. Let's go. Je passe de en avant, top. Incroyable les smokes, hein. Tac, de matos de merde, quoi. Ouais, on a pas le droit en faveur non plus. Toujours à nous filer du vieux matos tout pourri, quoi. Ok, en position. Je suis derrière toi. Let's go, ça recolle, là. Position. Tout le monde est là? Ça me tue. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas vers nous. Il a tiré vers où, lui? Je sais pas, il a l'air bourré, chef. Il a tiré dans le ciel. C'est donc un russe. Who are you? Your best teammate. Remember it. Il est où l'héliport? Tu sais, toi? Juste au nord, là, monsieur. Azimut 40. Monsieur, oh... Les gars, mais, hey, mais vous faisiez quoi avant, là? De vous engager? Vous étiez youtubeur ou quoi? On a récupéré tous les boulangers et les fermiers de la ville. J'étais livreur Uber Eats. Non, je veux pas savoir, je veux pas savoir, mais bon, quand même, il y a des limites là. Non, mais je peux vous ouvrir la marche. Il est caporal celui-là, moi, bravo. Cool. Ok, bon, let's go, vas-y, fais-nous voir ça là. Bon, bah allez, c'est parti. Hein. Putain, caporal, il essaie du machu. Je vous fais le brief à côté du matos. Si vous êtes pas content, vous avez qu'à l'emmener avec vous à l'hélicoptère. Hein. Reçu, caporal. Ah. Capo schlag, ouais. On a perdu le chef, non? Je suis là. T'inquiète, ça va aller. Oh, t'es 2 minutes sans moi, c'est bon, il a peur, quoi. Putain, sympa, ça, là, on se met bien ici. Bon, du coup, le briefing, ouvrez la map, là. Ouvrez-moi ça. Hein? Non, mais vous... Ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, toi? Oh là là! J'ai cru que vous alliez vous manger l'hélico, le chef, vous gardiez pas où vous alliez. Mais tu te fous de ma gueule, t'as vraiment cru que là, j'avais pas vu l'hélicoptère. Vous savez, avec l'âge... Oh! Ça tient pas à sa vie celui-là. Oh la vache. C'est beau aujourd'hui, chef. Je vais faire abstraction de cette remarque désobligeante, ok? La prochaine fois, c'est cours martial. Je me suis bien fait comprendre? Oui, chef. Ok. Checker la carte, là. Ok. Arrêtez de dessiner avec les désignateurs laser. Commencez pas à me casser les couilles, là, putain. Bon, du coup, on est sur la FOB de Pierre Gauss. Ça, c'est bon. Les petits points, là... Ça, c'est le Uber, ok? Sauf que le Uber, aujourd'hui, vous l'avez vu, il est derrière moi et c'est l'hélico. Ils ont upgradé les super pubs, donc vous vous mettez bien ici. Bref, du coup, on tape sur Zeda Lima, ok? Exactement ici, en 170, 100, en 17-18, là. Sur le point 25. Bref, on tape Zeda Lima. Visiblement, le but du jeu, rendre compte sur ce qui se passe au niveau de Telos, d'accord? On ne sait absolument pas ce qui se passe au niveau de Telos. Quand je dis « on », c'est bien évidemment le capitaine et son autisme. Bon, voilà, il est débile, donc de toute façon. Non, mais ça sert à rien de rigoler, c'est vrai, on le sait maintenant. Donc lui, voilà. Et donc il a mis un point d'interrogation, il savait pas. Donc il va falloir qu'on aille regarder ce qui se passe là-bas et qu'on investigue. AA, du coup, c'est pas les alcooliques anonymes. Pour ceux d'entre vous qui m'appellent mon chef, c'est bien anti-aérien. Ok? D'accord? C'est pas une réunion de tous les Lillois du coin. Du coup, et ça, c'est ce qu'il va falloir faire. C'est ce qu'il va falloir taper. Ok? C'est le seul truc dont on est à peu près sûr à l'heure actuelle. Qui aurait visiblement des batteries anti-aériennes qui se situeraient au nord de Telos. Ce qui se passe dans Telos, on ne sait pas, donc on va rendre compte, ok? Une fois qu'on aura rendu compte... Ouais, mais laisse-moi finir, en fait, hein, plutôt que de mettre des petits bien pris, là, en plein milieu de la phrase. Tu m'as coupé dans mon élan, tu vois? J'étais parti, pourtant. Bref, une fois que... Ouais, il m'a coupé, ce fils de pute, là. Ok. Bon, alors, une fois qu'on a rendu compte de ce qui se passait sur Telos... On tape plein sud, direction l'espèce de fortification digne de Vauban, là. Ok? Tac, tac, tac. Ça, on le prend. C'est tout. En vue de le tenir. Le fort. C'est tout ce que je sais à l'heure actuelle. J'ai pas plus d'informations. Donc, on va faire gaffe. On va faire dèche. Hein?
Et puis voilà. J'ai compris. Du coup, qui est-ce qui a pris de l'anti-véhicule là ? C'est moi, chef. C'est quoi ? C'est un javelin ? C'est quoi cette merde ? Ouais, apparemment. Ouais. Ok, bon, c'est... Hein ? T'as bien compris ? Ça, c'est pour toi, ça. J'ai compris. Ok. Laisse-moi réfléchir. Je pense qu'on est bon. Ok, comme d'habitude, si ça siffle, on a le droit de, on a le droit de riposter. En sachant que du coup, ils vont nous prendre pour des cons de toute façon. Voilà quoi. Bah oui, ils vont nous prendre pour des cons parce que forcément, ils vont jouer sur, le, sur les deux, sur le côté de venir. Ah, gna, gna, on est turc, alors qu'au final, bon. on est de l'OTAN, alors qu'au final, bon, ils sucent les Russes par derrière quoi. Non, mais c'est vrai, c'est important de savoir dans quelle merde et dans quel contexte on arrive quoi. Ok, même si je sais que bon, la géopolitique pour vous, ça. Ça... Ah, laissez tomber. Ok, vous êtes cons comme des bites. Ok, il y a des questions ? Négatif. Eh ben, c'est incroyable. Négatif. Yes. 6-4 à PC, 6-4 à PC. Non, on est prêt pour le départ. Terminé. Très bien, bah vous pouvez monter dans l'hélicoptère de la LAT. Normalement, il devrait y avoir le lieutenant Yayo qui devrait vous emmener. Ah, mais on l'attend. Vous étiez là depuis tout à l'heure, là. Ah, bah ouais, on est là, on vous attend. Votre ah bah beurre est là. Incroyable, ça va ? Super, et vous ? Eh, ça... Eh, allez-y, montez, là ! Ah, ils me regardent en... Oh là là... Ouais, bah, c'est cool. C'est... Putain, ils ont upgrade les super pumas, là. 6-4, parlez. Pour information, pour la AA, vous pouvez faire une désignation laser, nous avons de l'artillerie pour la détruire. Alors, je vois des parachutes. Quel est le muscle que bien pris, mon capitaine. J'ai vraiment l'impression parfois, mon capitaine, besoin. Que vous m'écoutez. Voilà. Terminé. Pour que tu puisses sauter en parachute. Du coup, il est vrai que plutôt que d'utiliser le javelin, on a les désignateurs laser pour la A, ok ? Rappelez-le-moi là-bas. Je pense que ce sera mieux, effectivement. Gardons à la limite le javelin pour nos fesses. On est bon compris. Ou pas ? Compris, compris. Ok, parfait. Et tout le monde a un désignateur ? Ok. Mais qu'est-ce qui ferme la porte, ce fils de pute, là ? Ouvre la porte, fils de pute, là ! Ah ouais, je préfère. Ah bah c'est parti. Pour PC. Allez, écoute. Pour information, nous venons de déposer Alpha sur Zeta Lima RTB. Bien pris, autorisation d'atterrir une fois arrivé. Ok, let's go là, on bouge pas, on reste pas en plein milieu là. Let's go dans la direction mon bras, le long des petits mini murets. Il y a des KSE, j'ouvre la marche. Go go. Tous les pilotes, ils font qu'un vol à chaque fois chez nous. Quoi, il a tapé l'autre là ? Ah si, je pense qu'il a tapé. Ah mais il est con comme, un, comme une merguez lui. Déjà heureusement que c'était pas avec nous. Ouais, heureusement. Ok, laissez-moi checker la map. Ouais, mais il sort d'où lui ? En route. Ok. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Waouh ! Hey. Ok. On a des bâtiments en face sur l'azimut 240. Ils sont renforcés, mais j'ai vu aucun signe d'activité. Pour le moment. Très peu de visuel. Ok, bien pris. Bah écoute, c'est exactement ce qu'on va essayer de taper là. Eh, on reste là pour le moment. Le TP, il est où là ? Je suis là, chef. À votre droite. Derrière vous. Ok, bien pris. Mais c'est pas toi le TP. Non, non, TP, on n'a pas de visuel. Tireur de précision. Narga, viens là. Viens là. Ok, hé, hey, Narga Gouga, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi.
Ok. AT, AC. Ok. Vu les deux arbres dans la direction de mon bras ? Oui. Au top colline, là. Essaie d'aller... Va là-bas. Ok. Essaie de rendre compte sur ce qui se passe de l'autre côté. Et en particulier, sur ce qui se passe, du coup, entre 260 et 320 quand tu seras en haut. Ok ? Donc, ce qui se passe dans le prolongement de la... Je vois rien là-bas, là. D'accord, dans le dos. Ok, pas vraiment dans ton dos, mais à tes 3 heures quand tu montes, quoi. Ouais, exactement, ok. Pour comme accouder. Okay. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, comme ça, voilà, pour s'accouder. T'es good sur ta radio ? Oui, c'est bon, pour radio. Il y en a un qui a sa radio en haut-parleur, là. Non, c'est bon, c'est bon. Une maison 286. Bien pris. Qu'est-ce que tu précoles ? Sur la colline, c'est compliqué, il y a des maisons en 250. Je pense que l'idéal, c'est aller dans la maison niveau 305. Okay. Pour avoir un bon visu sur la structure en 270. Et le reste, c'est que des plaines, donc normalement, on devra avoir le feu vert. Le feu vert. Ok, donc tu confirmes qu'on fait main courante à gauche en bas de la colline par laquelle tu viens de monter. Et on monte pas la colline, tu restes au top. Terminé. Ouais, à toi. Ça sera l'idéal. Parfait, en avant. Let's go les gars, tout le monde. Main courante à gauche, le en bas de la colline là. On laisse le TP au sommet de la colline. Et ça devrait le faire. Alright, let's go, allez, let's go, let's go. Le TP, les deux maisons dont tu parlais tout à l'heure là, il y a de l'activité à l'intérieur ? À toi. Non, pas d'activité. Ok, bien pris. Bah, tu les gardes en visu, on va taper dessus. Terminé. Ok, let's go. On part dedans. À 6-4, on a le... Ouais, bien précis, derrière toi, t'inquiète. Ah, on passe. Top. Il y en a vraiment un. On va pas rester comme des... Accroupi et je me mets derrière toi. Yes. Grumpy. Chef. Oui, chef. Ok, essaye de faire un bond de l'autre côté de la route pour aller t'assurer qu'il y a personne dans le bâtiment qui est détruit, là, dans la direction de mon bras. Les trois autres, là, vous faites le... KSU. Bittasti, Sakabaf, vous me faites main courante à gauche, vous tapez dans le bâtiment directement et on y va tous d'ailleurs. On tape derrière vous dans le bâtiment qui est juste en face de nous là. On prendra la vue directement avec. On fera la désignation laser à partir du haut des bâtiments. Vas-y, Surino, je te remplace. Eh, main courante à gauche, les amis, pas main courante à droite. Eh, main courante gauche, pas main courante droite. Là, de ce côté-là. Là, c'est à droite, chef. Bah non, c'est une main courante à gauche du coup. Ok, Oui. Autant pour moi, chef. T'inquiète. Et reste pour moi, chef. J'avance. Il y a un mec qui peut faire passer au chef que c'est rare. Ouais, c'est bon, j'entends. Je te cover avec lui. Ok, il y a du matériel pour moi. Allié en face. Ok, on se parle. Let's go, allez, on tape dedans là. Rez-de-chaussée clear, j'avance. Fais gaffe, il y a les deux autres bâtiments là. Ok, je m'avance dans l'escalier, j'ai besoin de renfort. Je monte avec toi. Ok, je vous couvre. Je reste excé, on continue de parler là. Clear, premier étage. Montez avec vous. Ok, clear. On a du matériel là. Ok, ouais, c'est bon. Matériel civil en haut. Ok, viens là. Et quelqu'un avec le désignateur laser là qui sait comment ça marche leur connerie là. Ouais, j'ai ce qu'il faut, chef. Nickel. C'est quoi On est sûr que c'est un AA ça? Ouais, ZDSU. Un véhicule de type russe. Ok, bien vu, ouais. Oh, c'est vieux ça, dis donc. Ouais, mais ça fait très mal. Ok, j'ai pointeur laser sur la cible. Attends, bouge pas. Je rends compte. Fais bien s'il peut venir des maisons en face, les gars. Si ça peut être clair, ça. Si y a un mec qui déboule de là, j'ai pas envie de prendre une tête.
Bordel de fuck là, quelqu'un sait où on est? Oui, on est exactement en... 169-174, vas-y, je suis con, excuse-moi. Ah, eh, franchement, vous avez vraiment du matos de merde sur votre île là. Qu'est-ce que c'est que vous avez même pas du Garmin Fortrex là? Bon, ok, 169-174, what the fuck. On est bon, t'inquiète. Ouais, on est sur la route pas loin du point 47. C'est quoi les bâtiments qu'on voit là? On est sur la route pas loin du bois 47. Mais les bâtiments sur lesquels on est, ils sont pas matérialisés. Ça doit être de construction qui, oui, oui, t'as raison. Qui sont nouvelles quand même. Ouais, ça m'a pas l'air... ça ouais, a pas de sens. Ok, quelqu'un peut me l'ID le... C'est quoi cette merde là? C'est russe hein? Oui, c'est un ZSU-32 si me semble. Je sais bien que c'est ZSU mais je connais plus le chiffre ensuite. Ouais. 6-4 à PC. PC, j'écoute parler. Nous avons en visu visiblement ce qui semblerait être un anti-aérien de type russe. ZSU 23-4 ou ZSU 30. Néanmoins, c'est clairement russe. Demandons autorisation de traiter. Terminé. C'est ça, je crois que c'est 23-4. Autorisation accordée. Ok, let's go. Feu vert. Ok, cible marquée. 6-4 APC. PC, j'écoute. Cible marquée, terminée. Bien pris, l'artillerie se prépare et va tirer garder le laser jusqu'à l'explosion. Tu gardes ton laser dessus, hein. Oui, je... Faites dash aux trois maisons, là. On sait toujours pas ce qu'il y a dessus. On a visé dessus. Ouais, nickel, parfait. Ouais, donc c'est bien des... C'est bien du matos russe, quand même. Fils de ouais, pute. Ouais, de la guerre froide, mais ouais. Du matos russe, quand même. Ouais, mais tu m'étonnes. Ça, c'est encore un coup des Russes, quoi. C'est on vous aide la Turquie mais au final on veut pas que vous froissiez avec vos potes de l'OTAN. Ah ça va faire boum. Attends hein. Ils sont foirés ou quoi? Alors cible neutralisée, équipage au sol. 15 ans de PC parler. Vécu lors d'état de service monsieur. 6-4 parler. Est-ce que la cible a été neutralisée? Cible neutralisée, affirmatif. Bien pris, terminé. Eh, y'a un PAX, y'a un PAX. Il est au niveau du ventre. Ok, c'est un des conducteurs, il a dû s'extirper avant que le missile chute. Il nous engage. À couvert les gars. What? Mais qu'est-ce qu'il fait Jean-Claude là? Il nous engage? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il nous tire dessus, mais... Ah, il est au sol! Vous le voyez? Affi, ouais. Affi. Azimut 262. LTP, tu peux le shooter? LTP est pas là. Attends, merde. LTP. Il est resté sur son point, lui? Affi. Je crois, ouais. 6-4, ATP, 6-4, ATP, ça va? Tu te fais pas trop chier? Il y a un joli feu. Ok, on a besoin de toi, position 169-174. Tu peux recoller sur nous. Terminé. J'arrive, je dépasse. Le pack vient de crever. Eh, faites gaffe, allié. Allié entre azimut 80 et 140, le TPR vient vers nous. Comment ça, il vient de crever? Oui, le pack s'est dégagé. Pour information, là, a été détruite par Alpha. C'est un espèce d'assaut bizarre. Vous pouvez engager sur terrain. Terminé. Ouais, on n'est pas sûr qu'il soit mort. Hein. Ok, bon. Ouais. Derrière, c'est simple. Moi, il est inconscient. On fait un bond de l'autre côté de la route, les gars. Ouais, on recolle avec le TP. Enfin, le TP recolle avec nous. Derrière, on tape les trois maisons et faut qu'on bouge là. Bien pris, bien pris. Allez-y, gars. On avance, on va recoller l'autre équipe. Let's go, viens. Décroche, poulet. Ok, excuse-moi. Oula, y'a quelqu'un qui joue à League of Legends ici en haut là, à l'étage ou quoi? Ok, let's go. T'as une base militaire juste devant. Ah, ok, justement, la base militaire, c'est ce qu'on... Qu'est-ce que vous voyez, là? Il y a une tour, dedans.
Ok, mais pour le moment, ils m'ont demandé de savoir ce qui se passait au niveau de Telos, là. Telos, hein. La vue est fort obstruée, beaucoup d'arbres, de maisons qui cachent les rues, donc difficile à dire, chef. Siska, t'as PC. PC, j'écoute. Est-ce que vous avez un petit peu plus d'informations par rapport à ce qui pourrait se trouver à Telos, là? Pour le moment, la seule chose que je peux vous dire, c'est que visiblement, ça a un peu bardé. On voit de la fumée de là où on est. Mais pas plus. Terminé. Demandez autorisation de s'approcher. Terminé. Alors, mouvement en 233. En 233 ? Pour information, nous sachons juste qu'il y a eu des gros bombardements sur place de la Napa, mais apparemment il y aurait encore des personnes hostiles sur place. Autorisation d'approcher, attention à vous, terminez. J'ai un pack qui vient de rentrer dans une maison, ça transit. Afi, Minimi, il nous vise. C'est du russe, chef. Non, négatif, tant que ça siffle pas, tu tires pas. Vas-y, on va pas redéclencher un... Tu vois ce que je veux dire ? Ok, il est la batteuse, hein. Si ça siffle, tu le désingues là, Yuri. 342 mètres. Pas nous casser les couilles. T'es plus ta visu sur lui ? Oui, je le garde en jeu. C'est quoi l'azimut ? Ok, ça tire ! Siska, t'as PC. Nous trouvons actuellement en 167, 174, 167, 174. Nous sommes pris à partie depuis Telos par ce qui semblerait être des Turcs ou des Russes. En tout cas, nous avons riposté. Terminé. C'est bien pris, terminé. Uniforme russe, armement russe. C'était de la PKM. Ouais, mais le bâtiment, il a pété là, j'ai l'impression, non ? Négatif, c'est derrière que c'est pété. Là, il est déjà dans un bâtiment en construction. Ok, il y a un pack visuel à peu près direction de mon bras, à 100 mètres. Azimut, okay. 235. Véhicule. User joined your channel. À peu près 100 mètres, se déplaçant de la gauche vers la droite. Pas de vision non plus. On a aussi un char qui semble être visiblement un T60. Je sais pas, T72. En tout cas, char azimut 220. Environ 500-600 mètres. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ah, je l'ai perdu. Bon, pour le moment, on reste là. Ça donne quoi, là ? Vous l'avez traité, l'autre, là ? Yuri, là ? Négatif. Il s'est replié. Ah ben, les gars, visez mieux, quoi. Bon, va falloir qu'on approche. Je vois du contact. Ouais. Azimut 230 à l'intérieur de la ville. Fermé. Ok. Et attention, on a du civil dans Telos, là. Les règles d'engagement sont claires, hein. Quoi ? C'était pas un civil, chef. Comment ça, c'était pas un civil ? Il était en uniforme. Tu veux dire qu'il y a encore des gens qui habitent dans ce taudis ? Non, les règles d'engagement sont claires, les amis. Je vous rappelle qu'on est quand même... Si ça siffle, vous ripostez. Reçu, chef. On va taper plein sud, du coup. Il me faut de la smoke pour me taper dans le bâtiment dans la direction de mon bras, là. Eh, tout le monde rasso sur moi là, sauf les deux qui restent là. Mais j'en ai 5. Okay, j'ai une fumée. Nickel, bah balance de la smoke et on va taper le bâtiment qui est juste dans la direction de mon bras. On tape ce bâti, on tape l'autre, on fait un bond jusqu'au prochain dans la direction de mon bras qui est à 130 Lagrange là, à 230 mètres un peu plus bas. Et derrière, on va remonter au niveau de la ligne dans la direction de mon bras, la ligne de d'arbres là. C'est le seul truc à peu près à couvert. Ok, qui ? On a plus de batteuse. Ouais, super. Ok, incroyable. Qui passe en tête ? J'ouvre la marche. Let's go. Je passe deux. En avant, top. Incroyable les smokes, hein. Tac, de matos de merde, quoi. Ouais, on a pas le droit en vue de travers non plus. Toujours à nous filer du vieux matos tout pourri, quoi. Ok, en position. Je suis derrière toi. Let's go, ça recolle, là. Position. Tout le monde est là ? Ça me tue. Let's go, même chose. On tape directement la grange, là. Bien quand fait. Tu veux. Je bouge. Top. J'y vais. Oh putain. Stop. Vas-y, ça passe derrière. Let's go, ça coule derrière. Go, ça coule derrière, les gars, continuez là. Vas-y, les gars. Vas-y, continuez. Ok, let's go.
suis derrière, go, décroche. Vas-y, attention bâtiment en pôle. Prends la position. Ok, c'est bien ce que je pensais, c'est parfait là. Ok, la base c'est ce qu'on va taper les gars. Vu. Ok, bah, bien pris. KSU, vu le bâtiment, vu le camion là. Ouais. Mets-toi derrière pour avoir un meilleur vantage point, go. J'y vais. Ok, faut que je sorte, se faire engager. Ok, quelqu'un prend ma place, please. Je rejoins KS. Go. Go, je suis avec toi. Ok les gars, merci. Pas mal de choses qui me bloquent la vision sur ma droite. Ouais, la même ici, c'est la merde. Je vois rien dans les tours de guet. Attends, rien dans la grande tour principale pour le moment, c'est muet. Un hélico stationné dans la base. Hé, c'est trop la merde. Où est-ce qu'ils sont les autres? Hé les gars, dans la direction de mon bras. On tape directement le sommet de la colline là pour aller aider nos petits copains là. Ok, KSU, tape, tape la maison juste devant toi dans, à 11h là. Ouais. Ok, tu me remplaces, let's go. C'est clear là? Ouais, petite maison clear. Clear maison, clear. Let's go, on recolle, on recolle, on recolle. J'espère qu'en montant on se fera pas tirer dessus depuis la base. Comment veux-tu qu'on attaque cette merde en même temps là? On ne veut pas avoir l'appui d'une autre compagnie en même temps. Ah mais négatif, mais là c'est pas... Là c'est un char qu'il faut. Et ça m'a l'air bien vide, c'est étrange. Co-véhicule, c'est Foxtrot. Ah, fille derrière, c'est Charlie et Echo. Ok, bien vu. Il y a, je crois qu'il y a une sorte d'avant-poste devant là, de poste de garde ou je sais pas quoi. Je vois des sacs de sable. Ouais, c'est ça. C'est un petit bunker, sac de sable. Est-ce qu'on peut faire un bond vers ça là? Grand terrain dégagé, je sais si, pas. Si, juste que, devant ce nous là, on a juste un muret à la limite. On peut déjà faire un bond 10 mètres en avant là. Ouais, ok, ça marche. Vas-y, go, top. Quelqu'un prend place? Je suis là. Ok, c'est bon. Ok, il y a qu'un seul endroit où on peut taper, mais l'autre s'il arrête pas avec son... Et négatif pour le moment, et il n'y a qu'une seule entrée de toute façon. Tiens. Ouais. On a l'entrée du camp là, vous voyez. Oui, à 11h, c'est le seul endroit où ça peut rentrer. Let's go. Eh, ouais. On peut faire un bond jusqu'au sac de sable en face de moi là. Et après, on fait main courante à droite le long des sacs de sable, justement. Ok, je prends la tête. J'y vais. Go. Je suis. Ok, let's go, ma courante à droite, let's go. Ok, on a un véhicule bien deux qui va taper dedans là. Faites gaffe. Hey, let's go, on tape derrière. Allez, on avance. Allez. Attention à droite, c'est ouvert. Devant, c'est ouvert. C'est fermé, de côté, c'est fermé. Contact à droite. Je suis blessé. Je suis gravement blessé. Je
C'est qui blessé le Depuis SE, je suis gravement blessé, j'ai un homme à terre, on est dans un petit bâtiment vert à l'entrée du camp. Ok, bien pris, qui est le... c'est qui le médic là? Médic, médic. Eh, hey, ça va derrière là? Mais derrière, en contact. Mais ça va derrière, genre ça va toi quoi? Oui, oui. Eh, hey, let's go là! Tape le bâtiment direct, ma courante à droite, Grumpy, go, 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 go! Viens avec nous le TP! Merde, je suis blessé, je crois. Eh, hey, Grumpy, check moi! Je sors ici. Vous avez une petite coupure, je m'occupe de ça. Vas-y, si je suis opérationnel, on continue, on s'en bat les couilles, hein. Je vous mets juste un pansement pour vous, pas que vous videz de votre sang. C'est ok, bon. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ah c'est ouais, bon. Petite coupure, vider de mon sang, carrément, quoi. Ok, ça ouais, marche. Vous étiez en train de saigner. Vous ouais, ça marche, docteur Maboul. Ok, ok, ok. Eh, hey, on tape avec vous, c'est vous, là? Ok, 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 ok. Let's go, on prend les... Grumpy, regarde les étages, garde les étages. Au-dessus de vous, au-dessus de votre tête. Deuxième fenêtre en partant de la droite. Prends, rez-de-chaussée. Reste là, Grump. Grumpy, tu restes tout seul. Je fais main courante à droite, là, de l'autre côté. Est-ce que t'es PC parler? 6-4, parler. Nous sommes toujours à l'intérieur de la base militaire. Nous sommes en train d'avancer vers ce qui semblerait être les derniers instants de ce qui restait des Russes dans la base militaire. Plusieurs Pax de l'unité sont blessés. J'ai pas encore le nombre exact à l'heure actuelle. Une fois que nous ne serons plus sous le feu, je vous donnerai un site rep plus précis. Terminé. Ok, 6-4 de KSE pour 6-4. On a clean le bâtiment camo. On est en train de faire l'étage, vous pouvez nous rejoindre au sous-sol. Là. Ok, ok, waouh. À l'étage, il y avait du monde, hein. Ok, j'ai besoin de quelqu'un avec moi, les gars. Oh, il y a quelqu'un qui passe un bon moment, là, quand même. Eh, Ryuk, fais pas ça tout seul. Fais pas ça tout seul, ok. Eh, je suis en dessous. Grumpy, t'as toujours la ligne? Vas-y, c'est quand tu veux. 6-4 à Grumpy, 6-4 à Grumpy, tu me vois? Droite clear. Gauche clear. Je rentre. Ok, pièce clear. Next one. 6-4, je suis juste derrière vous, hein. Je suis au pied du bâtiment. Ok, on a un blessé à l'étage, on en fait quoi, chef? Les gars, mais blessé de qui? Blessé ennemi. Comment ça? Où ça? Premier étage? À l'étage, premier étage. J'arrive. Première porte sur la droite quand vous montez les escaliers. Là, ici, chef. J'ai deux serflex si jamais. Je peux le soigner. Les gars, vous pouvez aller me rendre compte là. Les gars, deux secondes là. Qui est dans le truc? Oui. Vous pouvez aller me rendre compte là de ce qui se passe là. On est tous là. Dernière chambre à gauche là. Là, c'est tout bon. Tout let's go. Rendez-moi compte de ce qui se passe. Dernière chambre à gauche, les amis. Tout clair. C'est tout clair. Le bâtiment ouais, est mais safe. Rendez-moi compte. Bah. Let's go, Ryuk. Rendez-moi compte de ce qui se passe. Dernière porte à gauche. Et les gars, il y avait quoi là dans Ryuk, let's go là. Allez, let's go. On a de l'intel, chef. Parfait. Il a succombé à ses blessures. Ouais, on s'en doutait. Les blessures étaient trop graves, chef. On a de l'intel par ici, par contre. Attendez, laissez passer. Deux véhicules ennemis. 6-4 APC, 6-4 APC. Y'a rien, les PC ils sont morts là. Je vois que c'est qui. Oh putain, sérieusement, un peu de sérieux les mecs. Nous avons récupéré la base militaire. Aucun survivant, ni prisonnier. Terminé. Allez, les gars, ça sert à rien de rester tous là. On fait un 3-6 dans le bâtiment. Chacun va occuper une pièce, une direction. Faut qu'on soit strong là, la guerre c'est pas fini. Je prends. 6-4 APC. PC, j'écoute. Demandons conduite à tenir. À vous. Je prends connaissance de l'information auprès du capitaine Denapa et je vous rends compte. Patientez.
6-4, laissez parler. Ouais, laisse. 6-4, parlez. Pour information, je viens d'avoir le capitaine Napa en radio. Ils n'ont pas réussi à prendre l'aéroport et vous avez des unités ennemies qui descendent sur le camp pour aider les personnes qu'apparemment vous avez éliminées. Donc attention à vous et préparez-vous à une attaque de leur part. Bien pris, terminé. Ok, et Rasso sur moi là. Vas-y, il y a trop de fenêtres dans cette merde là. Ok. Du coup, qui est... On a perdu du monde là ? Négatif. Non, je pense que tout le monde est là. On a perdu quelques soldats, mais... Comme... Tu peux attendre un peu pour me s*** toi ou quoi ? Non, je vous sonne. Ouais, bah tu... Tu vas... Tu es direct. Tu vas pas avec le dos de la cuillère là ? Tu peux me demander, ouais. Non ? Non. Ah non, c'est comme ça là. Là, j'ai envie de vous parler, etc. Tu me soignes, tu me mets des grands coups dans la gueule, si quoi. Si on vous perd, on est mort. Hein ? Si on vous perd, on est mort. Pourquoi ? Ah, décidément, t'as vraiment envie de me s*** dans tous les sens non. du terme, toi, hein, littéralement, et... Ok. Bon, du coup, sur ce, bravo, félicitations pour votre courage exemplaire, mais on va pas pouvoir, justement, se tripoter la bite trop longtemps. Comme vous l'entendez, visiblement, les personnes à qui on a pris cette base, sont pas vraiment très contents, et ça va nous taper dessus d'un moment à l'autre. Ce que je pense, sûreté sur 360, Grumpy, tu t'assures de que chacun prenne un azimut et garde son azimut. Pas la peine de sortir, je pense. On va rester au niveau de ce bâtiment. On laissera la compagnie Foxtrot et Alpha à la limite à l'extérieur, ok ? On a bien mérité le fait de se garder ce bâtiment-là pour nous. C'est bon. Reçu, pour tout le monde ? Bien pris. Reçu. Let's go, Grumpy, je te laisse faire le tour. Reçu. Azimut 270, il y a une centaine de personnes qui courent vers nous. Centaine ? Ok, c'est qui là ? Ok, Sweezy. Toi, ton champ de vision. Ils nous ont envoyé toute la tuque. Sors-moi ton compas, ton champ d'observation, 40. Sont pas que 100, ta je limite pense. Gauche 40, ta limite droite 100. Non, on sait jamais. Ok. Ah non de Dieu, ouais, il dit. Ok, c'est qui là ? TP. Direction 270, il y a au moins 15-20 pax. 400-500 mètres. T'as cours beaucoup là. Ok, chef, c'est bon pour moi, j'ai donné. Un champ d'observation entre les packs. Nom de Dieu. Ok, bien pris, Grumpy. Parfait. Y'a plus qu'à tenir, hey. Faites gaffe à vos munes, hein. Ils vont nous envoyer toute l'armée turque, là. Checkez vos munes. Faites un contrôle PAM, les gars. Faites un contrôle PAM. Ouais, c'est ça, là. Faites l'air. Faites leur voir ce que c'est pas trop. Eh, laisse tomber. Et laissez le TP hein, dessus. 6-4 APC. Somme prise à partie par l'hélicoptère plus multiple pax, environ une trentaine de pax. Nous sommes toujours en plein centre de la base militaire. Terminé. Bien pris, je vous fais décoller un rafale par rapport à l'hélicoptère, terminé. Eh hey, le TP là, t'es en train de te faire plaisir ou... Ouais, il est 3 ou 4. Hein ? Il est 3 ou 4. Possible d'avoir la distance exacte ? Possible d'avoir la distance exacte. Oui, bah oui, tiens, je te donne la distance exacte. Et l'autre, tu veux du coup la marque ou le code barre sur les missiles, fils de... Tu veux aussi la j'ai un désignateur laser. Oh là là, excuse-nous Mark Wahlberg hein. Plus que 3 chargeurs. J'ai rien de mon côté non plus. Sergent de... laissez de parler. Y'a un mec de 5-4 à la droite du panneau. Sommes toujours au milieu de la base militaire en 161-170 au...
On est toujours de façon éparse, encore quelques tirs. Visiblement, l'armée, en tout cas l'offensive, la contre-offensive ennemie est en retrait. Et je ne pense pas qu'ils continueront leur contre-offensive pour aujourd'hui. À vous. Nous allons vous envoyer un hélicoptère de troupes qui va venir vous chercher. Besoin du smoke pour lui utiliser la zone. Terminé. Il est traité lui, non? TP, je pense. Abandonner chargeur. Bien pris, terminé. Ok, et j'ai besoin d'une smoke. Bougez pas. Ok, qui a une smoke là? Smoke blanche, le KSE. Ok, dans le 230 à 60 mètres, il y a un endroit au cul du véhicule de transport de troupes là, qui a pas été touché là, de 4 roues là. Ouais. À 30 mètres, tu me balances la smoke ici pour notre... ouais, pour notre évacuation, ils vont venir nous chercher en hélico. Ok, j'ai une smoke green. Vas-y, envoie. J'envoie. Smoke envoyé. Parfait. 6-4 APC, 6-4 APC. PC, j'ai pas parlé. On a envoyé une smoke verte sur place. Terminé. C'est clear tout le monde ? Affi. Affi. Refais péter une smoke là. Hein. Ouais, bien entendu. Si elle est verte, bien sûr. Négatif, elle est blanche. Ok, quelqu'un a une autre smoke ? Moi j'ai une blanche. Affi, j'en ai une verte. Vas-y, go. Direction 230, azimut 230 au cul du camion là-bas, là où tu vois que on peut faire poser un hélico. Affi. Visu sur l'hélico. Nickel, il va la prendre, parfait pour lui. Sur quoi il tire là? Eh hey, tout le monde, Brasso, on sort. Let's go. Eh hey, remets-lui une smoke là, l'autre il est con comme une bite là. Et tu l'as mis où la smoke là? Ok, bien vu. Totalement bourré. Oh, c'est chaud. Impossible d'atterrir sur zone, on a un trop gros hélicoptère sur par rapport au... cool, hein. On a pas bien texte. Au lampadaire, on risque de les toucher. On peut se poser à l'extérieur de la base. What? Mais qu'est-ce qu'il dit? Non mais ce fils de... Il vient d'envoyer au capitaine. Désolé, il y a des lampadaires, on peut pas se poser, mon hélico est trop gros. 6-4, parlez. Lala vient de me signaler qu'il va falloir que vous alliez à l'extérieur de la base pour pouvoir prendre l'hélicoptère. Parlez. Ouais, 6-4, bien pris. Terminé. Ok, let's go, font bouger à l'extérieur. On vient par là où on est venu. Grumpy, tu lead the way. Reçu. Let's go. Allez, en colonne là. Ok, les gars, en colonne. Là, on est bien. Tu vas voir qu'il va aller se poser à l'intérieur maintenant, ce trou du cul. Vous devez pas trouver la smoke verte. C'est une smoke blanche. Ouais, mais j'ai que ça. Il a pas assez pour. 6-4 APC, 6-4 APC. Avons posé une smoke blanche à l'extérieur de la base militaire pour le pilote de la terminale. Ok, let's go. Baissez-vous, nom de Dieu.
comme ça les lampadaires. C'est bon. Eh hey, le pilote. Ouais. Les lampadaires. Aïe. Putain mais il y avait ma jambe la fils de. C'est marrant ça de me mettre la porte dans la gueule ça. Ouais mon capitaine. Mon général. Mon colonel, mon lieutenant, je ne sais plus. C'est bizarre le gars là quand même. Vous venez de perdre des... Son grade c'est comme le cours de la crypto. Bon du coup sergent. Oui. Comment s'est passée cette mission? Écoutez, très bien, très bien. Ah, ça on fait des burpees. User in your channel timed out. Tout à fait, il faut entretenir son corps, hein, ça. Ok, et 1, et 2, et 3, et 4. Ok, non, c'était... Ok, très bien, impeccable. D'accord, donc du coup, vous avez réussi à tenir le camp armé des Russes, et donc du coup, les NAPA et l'armée française. User entered your channel. Bon, ils ont toujours pas réussi à reprendre leur aéroport, par contre. Ça, toujours pas. Donc je pense que la prochaine fois, ils vont sûrement nous demander de les aider pour le reprendre, donc on ira les aider. Oh bah écoutez, nous on sera toujours là, hein, mon lieutenant-colonel capitaine. Juste capitaine, chef. Je vais les... Voilà. Les hommes, comment ça a été aussi? Très bien, mon lieutenant-capitaine, chef, commandant. Très bien, mon général. Il va courir 10 tours de terrain. C'était là. Donc ouais, lui, l'homme au dab. Donc du coup, oui, sergent, vos hommes, comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est bien passé. Parfait, parfait. Eh ben, écoutez, c'est une fin de mission pour aujourd'hui, réfectoire, etc. Et je compte sur vous, sur votre compte rendu, pour qui a fait caca sur ma couchette. Ah oui, je n'y manquerai pas, mon capitaine. Et j'attends mon rapport demain. Je n'y manquerai pas. Non, franchement, je trouve ça puéril. Irresponsable et je trouverai le coupable. Très bien, parfait. Je crois que c'est M. Lampadaire. Vous êtes sûr que c'est pas la latte? Excusez-nous pour la latte. Hein. On va passer tous les jours pour eux, hein, sergent. Ok. Et puis repos pour tout le monde. Bonne fin de journée et mangez bien à la cantine. Aujourd'hui, merci, chef. Ravioli. Allez.